Nous avons décidé de faire un petit atelier Marie-Tête. Je ne suis pas une spécialiste du Marie-Tête, mais j'aime beaucoup attacher la mienne. Et donc, du coup, on a constitué une petite équipe de plusieurs danseurs pour pouvoir attacher la tête des personnes qui vont défiler tout à l'heure, faire la marche au flambeau pour la commémoration. Alors ce soir, nous participons à cette marche pour commémorer le souvenir, de ce souvenir important de l'abolition de l'esclavage. Donc avec l'association, on fait cette marche au flambeau qui va signifier que nous pensons encore à ce moment qui marque un temps fort de notre existence, l'abolition de l'esclavage. Grande satisfaction de voir que les associations invitées ont répondu présentes à notre sollicitation, mais aussi surtout de voir que le public aubertin, je dirais même des communes avoisinantes, se sont associés à cette commémoration. Et comme je le disais, ce n'est pas seulement une. Il ne faut pas voir cela en une forme de fête, mais surtout marquer à chaque pas, à chaque sollicitation. Penser effectivement au sang coulé par nos ancêtres et donc ainsi marquer ce temps fort que constitue la commémoration du 22 mai.